Allez, ça part de là. Ça part de là ? Ouais. Belle petite photo ? Oui. Ah oui, oui. C'est toujours la même tête. J'arrive pas à en faire une autre. J'arrive pas. Bon, allez, on essaye. C'est notre 89e réunion. Quand tu fasses la photo comme sur ton passeport. Et c'est 89e photo. Comme dans le passeport. Alors, on y va. Ici, j'ai un petit jeu de cartes. Ah, et un autre petit jeu de cartes. Ah, Thierry, tu vas mélanger. Voilà. Claude, tu vas mélanger. Et ici, prédiction, dans cette petite valise. Toi qui m'étais entraîné à faire un pharaon, je ne peux pas aller dessus. Bon ? Non. Tu vas le poser délicatement ici. Je vais dans les mains. Juste je le mets comme ça pour que tout le monde le voit. Et comme ça. Michael, tu vas choisir un des deux tas. Tu vas prendre la boîte et tu vas la poser ou là ou là. C'est toi qui décides. Tu réfléchis, dès que tu as réfléchi, tu prends la boîte, tu la poses sur un. Et l'autre, on l'étalera ici, on ne jouera plus avec. Ok. Je vais choisir ici. Alors, tu prends la valise et tu la poses dessus délicatement. Voilà. Ça, on n'en a plus besoin. Voilà. Ok. Tu veux l'ouvrir ou je l'ouvre? Je veux bien le faire. Hein. Vas-y, vas-y. T'as la combinaison. Délicatement. Clac, clac. Toujours. Vas-y. Je ne sais pas si vous voyez à l'intérieur, les gars. Une carte. Tiens, prends-la. Une demi-carte. Une demi-carte. Et tu la poses sans la retourner. Ok. Ça serait un miracle que ça soit la même que celle-là. Déjà, c'est la même, regarde, elle se raccorde. C'est la même face. Tu peux examiner la valise. On ne sait jamais. Si tu vois qu'il y a une embrouille dans la valise. Oh. Et si ça correspond d'un côté... C'est bien, mais si ça correspond de l'autre, c'est encore mieux. Et tu peux examiner. Et tu peux même examiner les cartes. Tu aurais pris une autre, ça aurait été une autre carte. Regarde, toutes les cartes sont différentes. Ouais. Ok. Pas mal. Comme tu dis, est-ce que tu veux qu'on le refasse? Je veux bien, oui. Regarde. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va le refaire avec une autre carte. Je vais te poser les questions et en fonction de ce que tu réponds, je vais savoir comment tu es, en quelle disponibilité au niveau émotionnel. Si je te demande une carte au hasard. L'as. Une couleur. Cœur. Une autre couleur dans la vie de tous les jours. Le trait. Noir. Du noir. Oui. Le nom d'une voiture. Mustang. Ah. J'ai une petite idée. Mustang, tu m'as dit noir. Il aime le riche, ce Maurice. Oui. La royauté. La royauté. Allez, je vois ça. On va le refaire une deuxième fois. Ok, okay. D'après tes indications. On va fermer. Mmh. Ok. Je sais pas si ça a marché. On refait une deuxième fois. Ici, une carte. Maintenant, Claude, tu vas choisir une heure. Si tu choisis par exemple une heure, tu prends une carte. D'accord. Si tu choisis 5 heures, tu prends 5 cartes. D'accord ? Je ne veux pas savoir ce que tu prends, je me retourne. Tu prends du dessus, tu as de 1 à 12. Okay. Donc tu prends autant de cartes que tu veux par rapport à tes heures. D'accord. Et tu le caches dessous, comme ça je ne peux pas voir. D'accord. Il n'y a pas de bruit. C'est bon ? Attends, je reprends. Tu connais ton heure que je ne pouvais pas savoir, pourtant j'ai fait une prédiction. Ouais, bon, tu t'es. Ok. Ouais. Donc, maintenant, vu qu'on va faire une pendule, je vais en prendre 12. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Maintenant, je vais mettre les cartes et la première, ce sera une heure. Tu vas à travers et tu retiens là où elle est la tienne. 1, 2, 3, 4, 5 heures, 6 heures, 7 heures. 8h, 9h, 10h, 11h et midi. Si tu as choisi une heure, tu prends ça et tu le mets sur une heure. Si tu as choisi 2 heures, tu mets ainsi de suite. D'accord. Je peux regarder, c'est pas grave. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9h. 1h, 2h, 3h, 4h, 5h, 6h, 7h. Et on enlève les autres.
On peut examiner. En plus, c'est toi qui as mélangé. On va vérifier. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Effectivement. On va refaire la même chose que tout à l'heure. Tu vas ouvrir. Alors, tu te rappelles qu'au début, en fonction de tes paroles, en fonction des questions que je t'ai posées, tu avais choisi des couleurs, une voiture, tout ça. Et moi, j'ai pensé à, au roi. Comme tu as des goûts de luxe. On va voir là où tu t'es arrêté. Ça serait un miracle quand même. C'est le roi. Ouh. Ouh. Excellent. Oh, bien ou bien? Bien, très bien. Exactement comme tout à l'heure. Bon, je me permets d'ouvrir à ta place. Une carte. Oh, ça correspond avec le même dos. Deux fois la Et pièce, tu peux toujours examiner. C'est toujours le même système. Tu peux même toujours examiner ça. C'est toujours le même système. On regarde. Ça serait un miracle si les deux. Ça serait miracle, ouais. Ça serait les mêmes. Oh. Ah, bravo. Tu peux toucher celle-là de tout à l'heure, tu peux toucher cela, tu peux toucher les cartes, tu peux toucher la boîte, tu peux tout toucher, c'est un vrai miracle. Avance, j'avais dit. La dame de travail.